péché c'est la cause de toutes les souffrances que nous vivons aujourd'hui. The sin is the cause of all the suffering we have today. Personne ne veut en parler ces derniers temps. No one would like to talk about it. Les gens préfèrent parler de l'argent. People prefer to talk about money. De la prospérité. Prosperity. De la bénédiction. Blessings. Et de la guérison. And healing. Mais ils ont oublié de parler du péché. But they forgot to talk about nous ne pouvons sin. Pas résoudre d'autres problèmes. We cannot resolve any problem. Si nous ne ciblons pas au problème du péché. If we do not focus on the matter of sin. La Bible dit dans le livre de Romains. The Bible says in the book of Romans. Le salaire du péché c'est la mort. The reward for the sin is death. La mort, le péché n'a pas d'autre solution. Soit c'est la rédemption ou la mort. Sin has bring nothing else, either redemption or death. Soit tu es sauvé. Either you are saved. Ou soit tu es condamné. Either you condemn. Mais j'ai pris ce message en le lisant, le Seigneur m'a parlé très profondément de ce qui s'est passé. And when I was reading this scripture, the Lord spoke to me about what happened. La Bible nous dit que les pharisiens et les scribes ont attrapé en flagrant délit d'adultère. The Bible tells us the scribes and the Pharisees caught a woman in adultery. Une femme. A woman. En flagrant délit d'adultère. In the adultery. Je n'aimerais pas être graphique aujourd'hui. I will not be graphical today. Je ne vais pas vous donner plus de détails. I don't want to give you details. Mais une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. But when a woman is caught in adultery. Et elle n'a pas d'autre raison de se justifier. She has no meaning to justify herself. Elle a été trouvée en plein acte. She was caught in the act. On l'a attrapée en pleine action. They caught her in action. Je ne sais pas comment on les avait vus. I don't know how they saw them. Mais je sais qu'on l'a attrapée. All I know, they caught her. Ce qui a poussé un peu mon entendement un peu plus loin. That stretched my thinking a little further. C'est de chercher à savoir où est parti l'homme. Where was the man? Peut-être l'homme a sauté sur une fenêtre très vite et puis la femme ne pouvait pas sauter. On l'a attrapé. Maybe the man jumped out of the Je window. Je ne vais pas vous donner les détails non plus. I will not give you any details. Mais on a attrapé la femme. But they caught the woman. On ne sait pas là où l'homme est parti. They don't know where the man went. Ce qui m'a encore attiré, that attracted my attention, c'était de savoir to find out à quel état on a amené la femme, c'est Jésus. How did they bring the woman to Jesus? Peuple de Dieu. People of God. Les gens de cette époque-là, people at back then, ils étaient très cruels. They were very cruel. Méchants comme vous pouvez le croire. Wicked as you know, you not believe it. Les gens qui aimaient la loi. Those who observe the law. Tout ce que la loi disait. Everything the law says. À toute occasion qu'ils pouvaient l'appliquer. Every time they can apply the law. Ils les appliquaient. They would apply the law. Parce que ce que tu lui dis n'a pas de sens. Because what you're telling him Moi, or her dis, doesn't mean Jésus étant Dieu. I say maybe Jesus being God. Il connaissait exactement la loi de Moïse. He knew Moses' law. Il savait qu'ils étaient incorrects par rapport à la loi. He knew they were against the law of Moses. Il savait qu'ils avaient un esprit d'accusation par rapport à la loi de Romains. He knew that they had a spirit of accusation according to the Romans. Il n'a pas attiré attention. He did not pay attention to Mais il s'est souvenu de la parole de Dieu. But he remembered the word Parce of God. Qu'il est Dieu, Jésus Because est Dieu. He is God. Jesus is God. Frères et sœurs, Jésus est Dieu. Jesus is God. Si quelqu'un te prêche Jésus d'une autre manière aujourd'hui, il n'est pas seulement un prophète, il est Dieu. If somebody tells us anything else, Jesus is not only a prophet, but he is God. Il y a trois qualités de la divinité de notre Dieu. The three characteristics of our divinity of our God. On parle de l'omniscience. He is omniscient. Au-dessus de toute science, de toute sagesse, de toute connaissance. Above all knowledge, above all science. Parce qu'il était au-dessus de toute connaissance. Because he was above all knowledge. Il savait exactement qu'est-ce que la sagesse de Dieu dit par rapport à la situation. He knew what the wisdom of God says about the situation. Il savait l'intention de leur cœur. He knew the intention of the heart. Alors Jésus a confirmé. And Jesus confirmed. Écoutez, vous êtes venu l'accuser. Yes, you came to accuse her. Elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. She was caught in adultery. Elle a commis du péché. She sinned. Elle a fait quelque chose à l'encontre de la parole de Dieu. She went against the word of God. Pas parce que je vais dolorter ce que la femme a fait. And not because I would like to agree with what she did. Mais parce que je vais vous prouver une chose. But I'd like to prove you one thing. Que personne sur cette planète. No one on this planet. A le pouvoir de juger le péché. Has the power to judge sin. Le pasteur n'a pas le pouvoir de juger le péché. Pastor has no power to je judge sin. Je ne jugerai pas le péché moi. I will never judge the sin. C'est ce que le diable te fait. That's what the devil does to you. Il t'accuse tout le jour. He accuses you every day. Il t'accuse des choses que tu as fait il y a cela longtemps. He accuses you for the things you did il in the past. Il te rappelle tes échecs. He reminds you of your failures. Il te rappelle que tu es un vaut rien. He reminds you that you're nobody. Il te rappelle que tu as échoué dans la vie. He reminds you fail in life. Il t'accuse continuellement. He accuses you every Révélation l'appelle l'accusateur de nos frères. The revelation accuses him, the accuser
our brother. Satan le diable. Satan the devil. En collaboration avec le méchant. With all the wicked. Et comme les pharisiens et les scribes. Like the Pharisees and scribes. Ils sont aujourd'hui dans des églises. They're today in churches. Ils se tiennent devant la parole de Dieu. They stand before the pour word le of God. Manipuler. To manipulate. J'ai un message pour toi. But I have a message il n'y a for you. Point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. There's no condemnation for those quand in Jesus Christ. Jésus-Christ. When you come to Jesus Christ. Tu n'as pas à se justifier. You don't have to justify. Au fur et à mesure que tu vis une vie sincère. As long as you live a sincere life, tu n'as pas à se justifier. You don't have to justify yourself.